Bonjour, 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 bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans un nouveau jour, bienvenue dans un lundi comme les autres, bienvenue dans un nouveau jeu. Oui, j'ai un nouveau jeu, c'est fou. C'est fou, je vais jouer à un nouveau jeu. Ça se trouve, ça va pas être bien, mais ça se trouve, ça va être bien. Voilà. Je sais, j'aime bien. J'aime bien comme je lance mes... Quand je vous lance mes phrases, je vous lance mes... comment on appelle ça ? Pas un slogan, mais autre chose. C'est pas mal. C'est pas mal. Je devrais être chauffeur de salle. Du coup. Donc, Slay the Spire. Merde, j'ai pas setup. Ah, fais chier. J'ai pas setup. Du coup, je vais faire ça à l'arrache. C'est jeudi. C'est Daft, je sais, t'y joues. Je le sais, bonjour à toi Daft. Et d'ailleurs, pile quand je parlais de Slay the Spire hier, je te voyais jouer. J'ai regardé un peu, enfin j'ai regardé du coin de l'œil Shisheyu machin, y jouer hier soir. Ça avait l'air d'être fun. Ça avait l'air d'être fun, donc je me suis dit, bon bah, ça veut dire que c'est bien. Et puis il a été assez simple d'avoir une clé du jeu de manière totalement légale, et ce n'est pas une blague. Donc bon, si j'arrive à avoir une clé du jeu de manière totalement légale, et qu'en plus les développeurs ils m'ont répondu, je leur ai envoyé un mail, ils m'ont répondu au taquet, je pars du principe que c'est un bon jeu avant même que j'y joue. Voilà. Alors attendez, je fais le tuyau. Enfin, je préviens que nous sommes en stream, comme toujours. Et je suis à vous. Hop. Il va falloir augmenter le son du jeu. Alors, je ne sais même pas comment ça se joue, tout ça. C'est-à-dire que là, je suis un peu en mode. Je sais qu'il y a des cartes. Je sais. Qu'il y a des combats et je sais que du coup c'est un jeu. Partant de ce principe là, c'est pas mal. Alors bien entendu, pendant toute l'émission, n'hésitez pas à looter. C'est important, les loots, c'est important pour que je puisse continuer, bien entendu. Mais ça, vous le savez. Vous le savez. Et on est bien, c'est bon. Alors, bah normalement c'est pas en français. Je vais pas en français. Pourquoi il est pas en français là? Je augmente le son du jeu, vous me direz si c'est bon. Mais. J'ai vu en français ce jeu. Ah bah bien sûr. Ah, beta French. Ah. Attends, qu'est-ce qu'il disait? Restart the game. Bah on va restart the game. C'est pas très grave. De toute façon, Slay the Spire. Pourtant pour le pognon. Tu veux un nouveau système de pommes de pin, ça serait vachement bien si les gens l'utilisaient. Voilà. Je remettrai des nouveaux systèmes de machin, tout ça, Dark Bob, si les gens l'utilisent. Si on regarde le nombre de bits qui sont donnés sur la chaîne en nombre de mois, je peux les compter sur le je peux les compter avec les 10 doigts de ma main. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Là, c'est pas la folie. Toujours encore des développements à un grand nombre de fonctionnalités, cartes ennemies sont amenées à changer. Ok. Coucou, coco. C'est faux. À aucun moment. À aucun moment, c'est toi qui veux pas me donner ton Yoshi. Pauvre Yoshi vert que j'ai, il vit tout seul maintenant. Et après, c'est moi le méchant. Bonjour à toi, coco. Des bisous. Alors. Synchro, le screen shake, je l'ai enlevé. On s'en fout de plein écran. Ça a l'air d'être trop fort maintenant, du coup, je vais baisser un petit peu. Alors, afficher les résumés de dégâts en doré, afficher les dégâts bloqués en bleu, désactiver la confirmation, le choix d'une carte. Ouais. Oui, t'inquiète pas. Mais Dark Bob, hein, je suis toujours à la recherche de systèmes. Qu'il fonctionne. Oh, choisir un personnage, tu choisis qu'un personnage. Le soldat de fer, 80 PV, hein, ce survivant des soldats de fer.
Il a vendu son arme en échange de maîtrise des énergies démoniaques. Oh, d'accord. Alors attends, le dessin, je vois pas, elle est où la tête-tête, il est où la... Ok. À la fin d'un combat, du combat, vous récupérez 6 PV. 6 à déverrouiller, 300 to next unlock. Bon, il y a un truc. C'est vrai que la... semblerait que la traduction, c'est à peu près comme la traduction de Spellforce 3. Alors, c'est un roguelike. Donc il semblerait qu'il y ait une histoire eh bien, d'aléatoire, ainsi que de choix. Ah mais non, moi je veux celui de Coco. Bah non, je veux le sien, pas ce que tu peux acheter. Sinon ça m'intéresse pas. Alors, ennemi, 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 choisissez. Après tu vois la carte. Donc, si je vais là, je vais pouvoir aller au marchand. Non, c'est trop pôle. Voyons. Allez, je vais me mettre là, comme ça j'aurai plus de possibilités. Alors, terrassez vos ennemis en jouant les cartes de votre main. Il vous faut de l'énergie pour jouer vos cartes. Lorsque vous n'en avez plus, mettez la fin à votre tour. Début de votre tour, piochez de nouvelles cartes et vos points d'énergie se remplissent. C'est Hearthstone. Jouez des cartes défensives pour gagner du blocage avant qu'un ennemi ne vous attaque. Ok, le blocage réduit les dégâts infligés. Mais c'est stamp. Ok. Pendant votre tour, vous pouvez voir ce que l'ennemi s'apprête à faire au-dessus de sa tête. Si un ennemi s'apprête à vous attaquer, n'oubliez pas de gagner du blocage. Ok. Alors, le jeu est pas très beau. C'est pas ouf. Mais. Enfin, c'est plutôt, je pense, la DA que j'aime pas trop. Bon, il est pas dégueulasse. Non, non, ça va. Il est pas dégueulasse. Ça va, ça va, ça va. Mon chat est en train de miauler à la mort. J'espère que Célia va se réveiller. Il va falloir que j'aille lui ouvrir. Donc là, c'est un compte utiliser un bluff. Ok. Je sais pas s'il est en laine. Vu que c'est pas accroché, ça vaut pas le coup. Pff. Ah là là, la pire. La pire. En gros, tu gagnes de l'XP et quand tu gagnes des levels, ça te donne de nouvelles cartes à débloquer. Hein. Bon. Fais 8 dégâts, applique 2 de vulnérabilité. Ok, ils sont mes points, ils sont là. Du coup, ah, ça lui met les coups directement. D'accord. Et là, il va bluffer, donc il attaque, hein. Hop. Vous subissez 50% de dégâts en plus des attaques pendant 2 tours. Ah, c'est pas mal ça. Bon, allez. Incantation. À la fin de tour, 3 de force. D'accord. Je vais aller ouvrir à mon chat parce que Célia doit faire dodo. Et c'est embêtant. Je coupe juste le micro 2 secondes. Heureux. Merci pour ton loot, ce Dark Bob. Des bisous. Des bisous. Donc là, il va attaquer. Cet ennemi, 6 points de dégâts. C'est sympa, ça, quand même. Donc, du coup, je fais ça. Ah, je peux sûrement m'attaquer à un moment. Ok, on verra. Donc là, il prend 2 fois plus de dégâts vu que je lui ai mis ça. Et moi, j'ai 5 de blocage. Donc, je vais prendre un coup. Si je comprends bien. C'est ça. Ah, oh, ce jeu est très simple. Des bisous à Coco. Des bisous. Bon solde, en espérant que tu trouves ce que tu souhaites. Alors, si vous n'avez plus de cartes à piocher, vos cartes défaussées sont placées dans la pioche. D'accord, donc là, ok, j'ai un deck de 10 cartes. Donc, pour l'instant, les premiers combats, ça va être, ils vont être assez simples. Donc là, je peux lui mettre la max. Où je me bloque 2 fois. Moi, je vais lui mettre la max. Je vais lui mettre la max. Dans le doute. Bon, ça a l'air d'être sympa quand même. Dans l'idée, ça a pas l'air d'être trop chiant à jouer. Et surtout, il y a un truc qui est très important.
Tu n'as pas l'air. Il n'y a pas l'air d'avoir 50 000 règles pour le moment. Ah, j'aurais dû le taper. Ah ouais, j'aurais dû le taper deux fois. Erreur. En plus. Et arrête de jouer à Animal Crossing. Ok. Bon, là, c'est fini, du coup. 11 gold et add a card to your deck. Ok. Cette carte vous octroie du pouvoir lorsqu'elle est utilisée. Le pouvoir sont des talents passifs et reste effectif jusqu'à la fin du combat. Les cartes de compétences coûtent 0. Oh. Ah. Quand vous jouez une, elle s'épuise. D'accord. Mais elle s'épuise. Elle s'épuise, c'est-à-dire que je la perds. Gagner 5 de blocage. Ah, c'est sympa ça. Gagner 2 de force. À la fin du tour, perdez 2 de force. Ok. Mais ça a l'air d'être pété ça. Hop. Et l'or, bah. Ah, on pouvait se passer de l'or. Ok. Bonjour, moi. Bonjour, bonjour. Donc, on va aller au marchand pour voir ce qu'il y a. Et qu'est-ce qu'il fait, le marchand? Tu peux acheter des cartes. D'accord. Mais là, j'ai pas. Ah, si, j'ai du pognon. Infliger 12 de dégâts peut être amélioré à l'infini. C'est génial. Fait 9 de dégâts. Placez une carte de votre défausse en haut de la pioche. Ça peut être sympa aussi. Gagnez ça. Perdez un PV. Je sais pas ce que c'est. Du coup. Ah. To play card from your end. Oui. Ah, tu gagnes de l'énergie, d'accord, ok. Oh là là. Traduction. Elle va pas dans ta défausse, tu pourras l'utiliser. D'accord, merci. Merci Daphne. Tiens, Buster, pour l'instant, non. Ce n'est pas le meilleur jeu. Donnez-moi tout votre or, pas mal. Quand vous jouez une carte attaque, vous gagnez 4 de blocage. C'est bien. En fait, toutes les cartes sont bien là. À la fin du tour, un point de dégâts à tous les ennemis. Ok. Ok. Sadisme. Quand vous appliquez un debuff. Oh. Pas de debuff pour l'instant. Je prends ça. Ça a l'air d'être très bien. Notre force, pas mal. Ouais, pas ouf s'il n'y a pas de buster. Hein, je sais. Je sais. D'ailleurs, c'est pour ça que Monster Hunter. On va pas y jouer. Hein, parce que Monster Hunter, il n'y a pas de buster. Pas de buster, mais il y a bien mieux. Inconnu. Bon, on va aller là. Alors, vous éteignez un cul-de-sac et commencez à faire demi-tour, mais des murs descendent du plafond et se renferment sur vous. Vous prenez au piège. Trois visages se matérialisent sur les murs et prennent la parole. Oubliez ce que vous savez, je vous laisserai partir. J'ai besoin de changement pour voir un nouvel espace émerger. Si vous voulez passer, vous devez progresser. Alors, oubliez, vous retirez une carte de votre deck. Vous transformez une carte de votre deck ou vous améliorez une carte de... Bah, progresser. Vous améliorez, bah c'est génial. Ouah, mais attends, c'est pas un piège normalement? Satisfait, les murs en face vous retournent dans le plafond. De vous retourne dans le plafond, vous laissant la voie libre. Ok. Super, j'ai progressé. Enfin, ok. Vous voyez toutes les cartes? Oui, vous voyez toutes les cartes. Vous me dites hein, si il y a le moins, un moins, le moins de soucis. Donc il va me mettre 11. Ah merde, tu reprends pas ta vie. Très bon jeu. Très très bon jeu. Très très bon jeu. Voilà. Donc là, je vais prendre 5. Voilà. Tu reprends pas ta vie, c'est bien chiant. Bon, je pense qu'il y a des cartes qui te redonnent ta vie, sinon ça serait pas drôle. Donc là je lui fais 12 points de dégâts, on est d'accord. Celui-ci est 50%, donc là attends, qu'est-ce que j'ai? 12 points de dégâts et il va faire quoi? Un bluff.
Attends, il va utiliser un blocage ou un bluff. Ouf, oh, ça faisait mal ça. Je te rattraper s'il y a un dash ou un wall jump. On voit pas la pile de, mais c'est pas très grave. Ouais, il y en a. Ouais, c'est pas. Ouais. Après, si vraiment, je peux changer, mais bon. C'est pas ouf, c'est pas très grave. 2. Ah, j'aurais pu le tuer. J'aurais pu le tuer, prochain tour, je le tue. Beuglement. Force 6. Ouais, bah en fait, c'est fini. Voilà! Ah, je récupère de la. Ah, oui, je récupère de la vie car mon personnage récupère 6 de vie à chaque fin de combat. Donc 10, j'ajoute une carte. Frappe double, 7 à tous les ennemis. Ah bah tout, on sait jamais. Ah, il y avait un ennemi élite après, j'ai pas vu, j'ai cliqué. Débile. Alors, en parcourant un long couloir, vous découvrez une banane, un beignet et une boîte qui flottent dans les airs. Non, après inspection, ils sont attachés à des cordes qui pendent à des trous dans le plafond, tandis que vous approchez des objets, vous entendez des gloussements provenant du plafond. Que faites-vous? On se casse? On va récupérer 5 PV, beignet max, HP max, pas mal ça. On recevait une relique. Vous recevez malédiction. Injouable à la fin de tour, vous perdez un PV par carte en main. HP max, c'est bien. Allez, un ennemi élite, je pense que je vais regretter. Annule un debuff. Ok, bah j'ai pas de debuff pour l'instant. Cet ennemi compte vous infliger un effet négatif. Ça a l'air d'être bien. Ça a l'air d'être bien, tant mieux. Tant mieux que j'ai pris cette carte. Voilà. Génial. Je pense que je vais déjà me foutre dans la merde. Injouable éthéré. Ah merde, il me donne des cartes pourries. C'est ça? Injouable éthéré, hébétement. Ok. C'est des cartes qui vont revenir dans mon truc après, j'imagine. Fiche de dégâts. Oui. Ouais. Ah. On s'amuse. Merci, Nimelia, pour ton loot. N'hésitez pas à looter, bien entendu. J'espère que tu peux vraiment reprendre de la vie assez facilement. Paf. Allez. Ok. Encore des cartes nulles. Donc là, les cartes que je vais recharger, ok. Donc c'est des cartes que je peux pas utiliser. Donc bêtement. Pas de soucis. Pas de soucis, ils vont prendre avant. Donc je me mets ça. Là je peux le tuer. Et on va taper lui, hein, il va bientôt mourir. Tue seulement. Tue. Regarde l'effet de ta relique en haut à gauche de l'écran. Ça? C'est ça dont tu parlais? Oui, en haut à gauche, hein? Oui. Alors. Je vais m'appliquer. Ok. Ça, pour l'instant. Voilà. Bim. Mais je peux pas. Il n'y a pas de. Il prenait pas de debuff. Dommage. Bah là ce truc c'est bon, j'ai compris ce que ça faisait. C'est bon, je pense gagner. Sauf si je tombe que sur des cartes bêtement. Mais ça devrait aller normalement. 9. 8. Je peux pas le tuer. Attends, quoique. Non, je peux pas le tuer. Ah, quoique. Attends. Ah, je peux peut-être le tuer en fait.
Je peux peut-être le tuer. Ouais. Je le tue, parfait. C'est le sceptique. Ok, je m'en fous, eux ils font que ça. Il va m'attaquer. D'ailleurs, ces cartes là, elles se mettent où après? Ah d'accord, elles vont directement dans la défausse. Donc si tu utilises pas des cartes, elles vont dans la défausse. Il faut mettre ça dans la enfin faut les utiliser quoi. À tous les ennemis co-brûlant. Bon, j'ai pas mal hein. Franchement, j'ai pas mal. Oh, un os. Si vos PV sont inférieurs à 50% à la fin du combat, vous gagnez 12 PV. Oh, c'est bien ça. Ah, c'est ça les reliques. Toi et toi, vous octroie des bonus uniques et reste effectif jusqu'à la fin de votre partie. Oh, c'est très très bien. Et tu gagnes une carte à chaque fois. Tous les streamers sont dessus en ce moment. Hype. Ça y est, tu testes le jeu de la hype. Première impression, c'est très bien. Alors en fait, 8 plus 9, ça fait 17 en fait. Oui. Oui. Mais oui, mais pourquoi tu dis ça? En fait, ça y est, j'ai compris maintenant. Vous savez, j'ai compris. J'ai trouvé la, j'ai la dernière pièce du puzzle. Depuis que je suis Zerator sur Twitter, j'arrive à savoir quels jeux sont hype et quels jeux ne sont pas hype. Et ça, c'est ouf quand même. J'ai découvert, grâce à ça, la vérité. Donc voilà. Parce qu'en fait, c'est pas les streamers qui jouent. C'est juste Zerator en fait. C'est juste lui. Lui crée une aura comme Mister MV en fait, mais un peu plus gros. Je savais pas, mais en un peu plus gros que depuis que je le suis depuis le FFS. En fait, je sais des choses. Et ouais. Et oui. Et du coup, pour se répondre, oui. Exactement. Je joue au jeu de la hype. Donc, je choisis une carte. Épée boomerang, inférieur à un ennemi aléatoire 3. Ouais, c'est ça. Placez une carte dans votre main en haut de la pioche, épuisement. Ouais, mais bof, non? En plus, ça coûte 1 et j'ai que 3. C'est pas ouf. Fin du tour, vous perdez un PV, infligez 4 à tous les ennemis. Combustion. Est-ce que vraiment. Ah, mais 4, c'est pas mal, hein. Ah, ça, c'est pas mal, hein, quand même. Repos. Ah, tu peux te reposer. C'est stylé. Ouah. Ok. Allez, on avance. Sur Steam. Mais il est sorti il y a un petit moment, hein, moi. Et je disais que. Tu disais que l'ennemi avait 16 PV, il n'allait pas mourir. Ah, oui, mais je ne sais pas compter. Vous améliorez une carte de votre deck où vous récupérez 30% de vos PV max. Waouh, et il calcule même pour toi. C'est gentil. C'est comme Dark Souls. Inconnu. Si je vais là, je pourrais choisir trésor. Ah, je vais là. Pour l'instant, ça a été bénéfique d'aller dans ces coins. Alors, découvrez une masse de lumière chatoyante qui englobe le centre de la salle. Ses lumières chaleureuses. Sa lumière chaleureuse et les motifs enchanteurs qu'elle dessine vous invitent à les pénétrer. Vous perdez 17 PV. Vous améliorez 2 cartes. Alors, je pense qu'il y a une idée comme quoi faut améliorer les cartes. Vous savez qu'on fait de canard. Combustion, c'est bien parce que ça dure tout le combat. Ok, j'ai pris combustion, pas, je sais plus. Je veux que tout le monde. Ils sont trop bien pour faire genre, mais en vrai, tout le monde s'en fout. Ah bah non, t'es pas obligé de prendre une carte. Oui, mais là, c'est bien. Allez, je perds 17 de PV. C'est pas grave. Faut avancer, putain. Y a quoi après? Ah, c'est mieux de passer par là. Un coffre. Flamme en bouteille. Je choisis une carte pour flamme en bouteille. Lorsque vous la ramassez, vous choisissez une carte attaque. Au début de chaque combat, cette carte se trouve dans votre main. Ah bon? C'est stylé. De beau jeu, j'aurais fait le même choix. Non, mais faut prendre des risques hein, dans la vie. Faut prendre des risques parce que je pense que plus t'avances, plus on te casse les couilles.
Allez, go. Bon, mais pour l'instant, ce qui est bien, c'est que le jeu est simple à comprendre. C'est super con, mais des jeux qui sont simples à... Enfin, des jeux de cartes ou alors des jeux où tu as des cartes, oui, qui sont simples à comprendre, il n'y en a pas autant que ça, finalement. Cet ennemi compte vous infliger un effet négatif et attaquer pour 7 points de... On se calmer, hein. Coup brûlant. Et je fais défense. Ah mais attends, je suis con. Arrête d'être con. Arrête d'être con. Voilà. C'est totalement end of fate. Non. Quand même. C'est pas pareil. Il y a des cartes. C'est pas pareil. Et bonjour, Numé. Ah. 10. Ah putain, le mec il rigole pas. Hein. Voilà. Je peux en faire encore une défense et pas prendre de coups. Tiens, je vais me mettre du blocage. Je vais me mettre du blocage pour voir si le blocage se stack à l'infini. Oh, mais il se stack à l'infini en fait. Ah non, il se stack pas à l'infini. Dommage, il fallait tester. Il fallait tester, je voulais voir. J'ai vu. J'ai vu, j'ai vaincu. Salut Shark. J'ai vu et voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va m'envoyer? Affaibli. L'attaque inflige 25 pour... Ok, pendant un tour. Donc, c'est pas très grave. Ah putain, il y a marqué en plus les dés. C'est combien tu fais de moins. Oh là là. Ce jeu, il est bien. Ce jeu, il est bien. Ah, je peux passer et ne pas mettre de cartes, c'est vrai. Donc si toutes les cartes sont bof, ouais. Ce qu'on trouve pas les perceurs des combats. Oui. Bon alors, si c'est pareil que End of Fate, je préfère celui-ci. On va dire que c'est plus direct. Allez, on va dire ça. C'est plus direct. Mais End of Fate, quand même, tu... Ah, quoique, c'est quand même pas trop End of Fate. Hein. Parce que... End of Fate est une partie combat. Ce qui fait que... Et la partie combat, c'est un sorte de jeu de rythme, quoi. Manchette, c'est pas mal, hein. Infligez de dégâts... Ajoute 2 points de dégâts par carte frappe. Pas mal ça. Il y a épuisement. C'est pas mal ça aussi. C'est pas mal ça aussi, hein. C'est pas mal, hein. Je sais pas. Hein. Ah, je prends ça. Ça fera du debuff, c'est très bien. Œuvre de magma. Lorsque vous le ramassez, vous pouvez choisir et améliorer une attaque. Oui, je peux. Ouais, la base quoi. Je vais améliorer d'autres cartes. Ouais. Ok. On y va. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? On verra. Dans le doute, prends les 3. Putain, si seulement. Nuage de sport. Cet ennemi compte, ok. À sa mort. Vous applique vulnérabilité. Ah, super. Super. Je suis content. Je suis très content. Et comme a dit Daft, apparemment, c'est pendant... C'est un pouvoir, donc... Ça fait ça pendant tout le long. On va le faire. Ah non, c'est 4. Non, oui, c'est d'accord. C'est... Tu fous 4. Et lui il va me mettre un. Ah, utiliser un buff. D'accord, donc lui il va se buffer. Si tu veux. Si tu veux. Ok. C'est très bien ça. Bon, je perds un point de dégâts, mais. Je sais pas si ça rentre dans le blocage. Je pense pas que ça rentre dans le blocage. Augmente ses dégâts d'attaque de 3.
Ok. Qu'est-ce que j'ai? Inflige 8 de dégâts, applique 2 de vulnérabilité. Lui, il va se buff. Lui, il va me taper. Faire ça. Boum. Et je peux le tuer. Je peux le tuer. Est-ce que je le tue? Oui. Et qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, d'accord, oui, c'est la vulnérabilité. C'est logique. C'est logique, et lui, il va mourir. Il va mourir, et même si je prends 2 de vulnérabilité, on s'en fout, c'est facile. Inflige 20 points de dégâts. Oh, c'est bien ça. Ok, il y a des objets. Ah, c'est bien. Brutalité. Hémokinésie. Perdez 3 PV, inflige 14. Ok. Au début de votre tour, perdez 1 PV et piochez une carte. C'est un pouvoir. C'est bien ça quand même. Moi je prends ça. Du coup, tu aimes pas ce jeu, tu devrais totalement faire Color Splash. Non, je ne peux pas faire Color Splash. Tout se passe sur l'écran du gamepad. Et je ne peux pas. Vous savez, ce n'est pas possible. Oh! Apparemment, il y a le boss pas du tout loin. Bon. On va aller jusqu'au boss. On va aller jusqu'au boss. En plus, j'ai récupéré presque tout. C'est important. Salut Nightlove. Bonjour. Ah, c'est un mec. Larcin. Cet ennemi compte vous attaquer. On s'en fout. Brillant. Vol 15 d'or lors de votre attaque. Ok. Ok, ok. Allez, bim! De toute façon, il me le rend après ou pas? Ça serait une bonne, une bonne chose de me le rendre. En plus, tu peux aller vite. Du coup, c'est ça qui est bien dans le jeu. C'est que même quand le jeu se complexifie. Eh bien, il se complexifie pas tant que ça. Les éléments de complexification vont assez doucement. Enfin, c'est... Voilà. Rapidement, sinon il s'enfuit avec ton or. D'accord. Merci, Shark. Attends. Ouais, je peux le tuer, là, en fait. Je peux le tuer. Et donc je récupère mon potion de régénération. 3 PV à la fin de chaque tour pendant 5 tours. Ok. Cri de guerre, piochez 2 cartes, place une carte dans votre main en haut de la pioche, épuisement. Bah, je vais prendre ça. Ça a l'air d'être pété. Et je vais forgeron. Des bisous des histos. C'est quoi comme style de jeu? C'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes. Roguelike et voilà. Mais regarde, c'est super simple à comprendre. C'est assez simple à comprendre, je trouve. Oh, très tellement de choses. Allez, je mets le blocage. Ça servira. Et du coup, c'est le boss. Changement de mode. 220 PV? Ok. Ok. 220 PV. Ok. Et ben. Je peux le balancer au pif? Je sais pas, on verra. Alors, c'est un blocage et un buff. Après avoir encaissé 30 points de dégâts, passe en mode défensif. D'accord. Enfin, avec plaisir. Un blocage et un buff. Donc, du temps qui... quand vous en jouez... Hop.
Attends, mais... Bah, c'était pas toutes les cartes? Ah merde! Attends, mais je voulais... Elle est où ma carte? Les cartes compétences. Ah, c'est des cartes compétences! Ah oui! Bon, c'est pas grave, c'est les cartes compétences pendant tout le long du jeu. C'est un pouvoir. Frère retourne dans les années 90, c'est vrai. C'est cool. Faut bien lire les cartes, oui! Ah! Pas content. Oh! Ah, mais ça se pop up, up! Voilà! Parfait. On va perdre 2 de force. Ça réduit les attaques de 2. Génial. Grosse ambiance. Bon bah. Tap, c'est un toss. Voilà. Attends, est-ce que. Est-ce que. Si je fais ça, il passe en mode. Mode défense et en fait il va pas attaquer. Oh, il attaque pas. Parfait. Parfait. Je crois que j'ai tout compris. J'ai été malin. Peau dure. Lorsque vous jouez une carte attaque, vous subissez 3 points de combo. 3 points de... Ok, donc lui il se fait mal. Combustion. C'est quoi ce que j'ai là? Carte compétence coûte 0, ouais. 1-1-1. Ouais, et j'ai mon truc de régénération. Pendant 5 tours. Ça, c'est gratuit. Finalement, j'ai l'impression d'avoir bien joué. J'ai vraiment l'impression. Je suis pas sûr, mais... ouais. Attends, comment qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pris des dégâts quand même, alors que j'étais dans mon avec le shield. Il y a un système pour voir ce qui s'est passé avant, non? J'ai pas l'impression. Ah, c'est le pot dur. Ah oui, c'est pot dur. C'est vrai. Merci, Paulpi. Moi, le pot dur, je croyais que c'était pour lui. Mais c'est vrai que c'est comme Pokémon finalement. Parfait. Je peux utiliser hein, de base, c'est pas très grave. Ok. Ok. Tout va bien. Tout va bien. 6 fois 2. Ok. C'est ça, hein. Vulnérabilité. On est d'accord qu'il prend la 2 fois plus. Donc là, il va prendre 30. 21, ok. Non, pas 30, du coup, fait pas fois 2. C'est bon, c'est bon. Coûte de la vie, oui. Oui, ça coûte de la vie. Je vais voir, attends. Ça, je perds 3 PV. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Toutes les cartes de blocage s'épuisent. Oui, à la fin du tour. Ok.
40. Ok, donc si je lui mets 40 points de dégâts, il repart en zone. Enfin, il repart en défensif. Est-ce que j'ai assez pour lui mettre 40 points de... Il a pas la peau dure là. Et en plus, j'ai le 50%, machin, tout ça. Et j'ai réduit. Et j'ai debuff et il sait pas. D'accord. Super, il a pas annulé. Donc 9, là je vais faire un peu plus. Attends, si je me défends. Est-ce que ça prend? J'arrive toujours pas à savoir si ça prend. Non, si je prends. Je prends. Ok. Donc, normalement, en fait là il va pas attaquer. Parfait. Parfait. Donc apparemment le debuff c'est terminé. Mmh. Ah merde, j'ai plus de... Comment on appelle ça? De carte défense. Et voilà, donc encore la preuve, tu vois, Thanatos se le dit, il a vu Zerator. Le jeu de la hype, je vous le dis. C'est le jeu de la hype. C'est le jeu de la hype. Bah là, j'avoue que je lui désingue sa race. Hein. Peut-être c'est fait exprès. Hein. Peut-être que ce jeu est fait pour que bah, tu t'en sortes. Clic 2 de vulnérabilité. Ah, c'est ça qui tape. Ouais, dans le doute. Il fait combien? Je prends 3. Hein. Ouais, allez. C'est pas grave, je prends. J'accepte de prendre. J'accepte, il a que 50 PV. Oh. En fait, je peux l'attaquer à l'infini là. Par contre, à force de faire ça. Il va me mettre 12. Elles sont où mes cartes de... Ah, d'accord, j'ai compris. Attends, ça veut dire que les cartes compétences sont épuisées aussi. Bah oui, elles s'épuisent. J'ai plus de carte de défense. Ah bah faut que je bourre. Hein. J'ai pas le choix. Ah, j'ai gagné. J'ai gagné. Plus de 3 de faiblesse. Et... Ouais. Corruption égale Mazo. Ouais bah écoute finalement. Finalement prendre des risques a été un peu ce qui m'a permis de gagner. N'hésitez pas à loot bien sûr, j'ai oublié de vous le redire, mais n'hésitez pas. Je vous le redis. Gourdin. 32. Ah oui, Gourdin. Gagne 30 de blocage et épuisement. Mais il faut tomber dessus quoi. C'est un pouvoir. C'est pas mal ça. Je vais essayer une relique. Vous obtenez 3 malédictions et 3 reliques. Non. Vous obtenez une potion, gagnez 30 or. Vous obtenez une carte.
Maisonnette, c'est bien. Au début de chaque tour, vous ne pouvez pas jouer plus de 6 cartes par tour. Bah, c'est pas grave. C'est sympa, ça. Mais ça veut dire que là, on continue? Ah. Ça ne s'arrête pas. Bah oui. C'est bien. D'accord. Alors, on va par où? On va par où? Ah, ça va être pas mal, là. Il y a 3 niveaux pour le moment. 3 grosses cartes. Ok. Ah non, c'est pas la déception d'un homme, là. C'est juste que... En fait, j'avais peur que je ne récupère pas ma vie. En fait, si, je l'ai récupéré. Donc, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Et le jeu est fait... J'ai l'impression que le jeu n'est pas... est fait exprès pour pas être trop trop dur. Afin que tu puisses... pas être dégoûté dès le début, finalement. Donc j'ai pris ça. Mais pour l'instant... Donc corruption, je prends plus. Maintenant que j'ai compris à comment ça fonctionne. Perte 2 de force, épuisement. Donc là, je vais prendre des dégâts gratos. Ah, c'est sympa. Épuisement, ça fait quoi en fait? On va voir. Ah, c'est pas. D'accord, en fait. Ouais, bon, ouais. Pas de. Pourquoi 2? 2? Ok, bon, c'est pas grave. Merci. Tu as failli oublier le loot. Merci, sceptique. Bon, allez. Tape. Et je prends 5. Ok, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et là, il va faire quoi? C'est une compte, vous infligez un puissant effet négatif. Ah! Ah! Ok. Bah écoute, pour le plaisir. Bon, de toute façon, si j'ai ça là, si mes PV sont à 50%, je peux récupérer des PV. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ok. Oh, je bourre. Je bourre. Rien à foutre. J'étais hypé, mais finalement, 16 balles, ça m'a calmé. C'est vrai, c'est un peu cher. Épuisement, c'est... tu perds la carte après utilisation, c'est tout. D'accord. Épuisement, je croyais que c'était un... Ok, c'était un debuff en plus. Bah non. Alors, lorsque vous jouez une carte autre qu'attaque, insère une carte hébétement. Ah putain, nick. Bon, en fait, tu veux que je bourre, quoi. Tu veux que je bourre, y'a pas de soucis, hein. Mais bon, après... Faut bien que je me... Je me protège, quoi. Je bourre. C'est bien le fait d'avoir les 4 de... 4 de défense, là. Enfin, non, 4 de... d'énergie. S'en fout. S'en fout, je bourrais. Hmm. 14 et là je crois qu'il va mourir. Quoi que je fasse, il meurt en fait. Parce que c'est à la fin du tour, on est d'accord. Ouais. Bim, il est mort. Parfait. Rage, quand vous jouez une carte attaque, vous gagnez 4 blocages. Ça peut être bien ça, mais il faut la lancer. Il faut déjà la. Ah, c'est une compétence.
C'est une compétence, donc ça joue que pendant un tour. Donc c'est pas hop, c'est pas ouf. Hop, si vous n'avez que des cartes attaque en main. Ah, ça peut être. Il y a des synergies techniquement. Si je fais la carte là d'épuisement, enfin de qui m'enlève, qui met 0 à toutes mes cartes de défense. J'ai que des cartes attaque après. J'ai deux cartes, placez une carte de votre main sur le haut de la pioche. D'accord. Ouais. Ouais, je préfère prendre ça. J'aurais pu aussi ne pas prendre de cartes. D'accord, cet ennemi est pas très beau. Gardien sphérique. Ok. D'accord. Défensif. Barricade. Le blocage ne peut pas être retiré. N'est pas retiré au début du tour. Eh, pourquoi il a ça lui? Annule 3 debuffs. Putain, oh! Quel enculé! Quel enculé! D'accord, bon bah. Papa. Quel enculé. Voilà. Bah j'avoue. Gros mob de merde. Quoi? Ah bah il s'est rebloqué, bah oui. Ah bah oui, bah oui. T'as 36. Et du coup tant que je... Oh. Ah merde, j'aurais dû utiliser ça avant. Bah non, j'ai pas la carte attaque là. Si j'en ai une là. Ouais. Pour dire. Voilà. C'est pas grave. Frêle. C'est sérieux? Les cartes vous octroient 25% moins de blocage pendant 5 tours. Ok. Pourquoi? Super. En fait, le jeu, il va devenir comme Darkest Dungeon. Bon, c'est quand qu'il sort sur Switch? Rush, c'est bien, parce qu'une fois amélioré, ça coûte 0 à jouer. Ah ouais? Ah, c'est bien, ça. Il faut avoir 50% de points de vie. Ça ne m'arrivera jamais, bien entendu. Donc, ça serait bien que je lui fasse mal, hein. Ouais, ce serait vachement bien. 16. Hop. Ouais, en fait, je vais obligatoirement lui faire mal. Voilà. Tu vas prendre connard. Il va mourir. Bon, je vais prendre 20 par contre. Voilà. C'est pour le plaisir. C'était pour passer à 50%. C'est pour gagner les 12 points de les 12 PV. Voilà, tout était calculé en fait. Tout était calculé. Bien entendu, regardez là. Paf. Bien sûr. Vague de fer, gagne 5 blocages, inflige 5 de dégâts, c'est bien. Coup de tête plus. Fiche 12 de dégâts, placez une carte de votre défausse en haut de la pioche. Ouais. Pour être sûr de l'avoir, quoi. Tous les ennemis. Ah, c'est pas mal ça aussi. Salut Jeff. Pourquoi comme Darkest Dungeon? Marlar, parce que... Enfin, Matlar, pardon, pas Marlar. Pardon. Parce que... les seuls moments où j'ai déjà vu Darkest Dungeon, j'avais l'impression que dès qu'un de tes personnages avait une faiblesse, ou alors quelque chose sur lequel... Enfin, l'ennemi pouvait taper pour te faire vraiment mal ou pour te faire vraiment rager, et ben on dirait que le jeu fait exprès de te le mettre, tu vois. Ou alors il te met des malus gratos que t'as jamais vu et que ça te fait plaisir. Voilà. C'est pour le plaisir. Je vais prendre ça. Alors, parcourir une série de tombes et arriver en face d'un
Rêver face à, pardon, l'imposant sarcophage Serti de gemmes situé au centre de la salle circulaire. Vous ne parvenez pas à déchiffrer ce qui est écrit sur le cercueil. Cependant, vous remarquez qu'un brouillard noir s'échappe de ses flancs. Recevez une relique, 50%, vous recevez un jouable cadeau. Cadeau ? Ok. Cadeau. Mais je reçois une relique. Attends, alors, est-ce que tu reçois une relique et t'as 50% de chance de tomber sur une malédiction ? Ou alors tu reçois une relique, dans le sens t'as 50% de recevoir une, 50% de chance de recevoir une relique, et tu reçois la malédiction ? Est-ce que quelqu'un peut le dire avant que j'appuie ? Parce que faut prendre des risques. Hein. Faut prendre des risques, sinon ça sert à rien. Bah oui, alors attends, je suis con. Si je dis faut que je prenne des risques, autant que je le fasse. Voilà. Ouais, bon bah voilà, je l'ai eu quoi. C'est pour le plaisir. Whenever you obtain a curse, increase your HP max de... Oh, ok. Ok, donc là en fait, bah je me suis buffé en fait. Ok. Le brouillard noir s'en échappe et envahit la salle tout entière. À l'intérieur, vous ne trouvez personne, juste une relique. Prenez tout ça en vénement. Okay. C'est cool. Ouais, finalement, ça servait. Il y a des synergies, bien entendu. Les meilleurs. Et donc, je peux pas jouer. Ça. C'est un cadeau. 77. Après avoir encaissé les dégâts d'attaque, gagne 3 de blocage. Le blocage gagné augmente malléable avec les activations, réinitialisation. Avec les activations, réinitialisation. Ouais, attends, comme quoi. Ok. Avec les activations. Réinitialisation à 3 au début de votre tour. Donc, tu veux dire à chaque fois que tu tapes? Pas comprendre. Attends, on va voir. Donc là, il vient de gagner 3. Si je tape, il regagne 3. Est-ce que ça veut dire ça? Ok, c'est ça. Attends. Non, il gagne 1 de plus. Ah, il gagne 1 de plus à chaque attaque. Et ça réinitialise à 3. Ok, c'est Goyum. Ok. C'est vraiment de la merde, hein. Par contre, j'aurais été bien à avoir des défenses. Voilà. Merci. Ça aurait été vachement bien. Mais attends, mais elles sont où les défenses? Elles sont là. On dirait un jeu mobile, bah... Ouais, graphiquement, je l'avoue. Bon, on a vu pire quand même. Donc il faut que je lui fasse très mal au début. Genre tout de suite. Désarmement. Il faut que je lui fasse mal là. Deux, 5 fois 3. Hein. C'est quand même 15. Quand même mal. Ok. Salut Shine. On a vu pire comme musique de Kid Caméléon. Non, les bruits de la fraise là. La fraise de dentiste qui fait. Qui était là, t'es. Rien que d'y penser, ça me met pas bien. Ouais, compliqué là, hein. Cet ennemi compte vous infliger un effet puissant négatif. Bien sûr, il me donne de la défense maintenant, vu que j'en ai plus besoin. Connard. Mmh.
Dommage, dommage. Enfin, donc... Si je fais ça, on est d'accord que ça s'arrête à la fin de mon tour. Ou à la fin de son... Non, à la fin de son tour. Oula, oula. À la fin, de... à la fin du tour, quoi. Ouais. Des bisous, Nettle Bonap. En vrai, sur tel, le jeu peut être vraiment stylé. Ah ouais. Sur Switch, bien sûr. Aussi. Calme. Alors, The 3, 25%. Et les attaques font... Oh, mais je m'en fous, je vais te tuer, en fait, là. Attends, obligatoirement, je te tue. Hein, ça... Potion de force. Virilité. Gagnez 7 de blocage et puis une carte aléatoire de votre main. Bouf. À la fin de tour, gagnez 4 de blocage. C'est bien! C'est bien ça! C'est très bien. Gagnez 12 de blocage quand vous attaquez ce tour. Ah oui. Non. Quand on vous attaque ce tour, vous infligez 4 points de dégâts. C'est pas mal. Mais je vais prendre ça. Je vais prendre ça, c'est mieux. Et je vais pouvoir aller me reposer. Ah non, j'irai me faire foutre. Ah, c'est parfait. C'est parfait, merci. Ah, et donc la souffrance, elle revient tout le temps. Ouais. Hop. Ok. C'est max, hein. Non, mais tout va bien se passer. Toi, je vais te défoncer. D'abord lui, après l'autre. Coup de tonnerre. Et vulnérabilité. Je pense que je peux le tuer, là. Ouais. Ouais, 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 ça va. Shoot no brain, bien sûr. Je prends Frel, voilà. La base. Du coup, maintenant, mon blocage de 4... Il va pas être 4 alors du coup. 10 x 2. Super. Ah bah attends, ça tombe bien. Attends. Gagne 6 de blocage. Là je suis à 6 donc 10. 3 et 3. Non bah je vais... Est-ce que 9? Et techniquement, je gagne 13. Et je vais prendre 7. Il faut lui mettre des dégâts. Ça fait mal. La souffrance, c'est la malédiction que tu as prise avec la relique. Oui, mais elle est là au tout début à chaque fois, en fait. Je pensais que la souffrance, elle n'était pas là au tout début. Injouable. Moi je pensais qu'elle était juste dans mon jeu et qu'elle revenait pas au pif. Enfin qu'elle revenait parfois. Pas tout le temps. Donc à chaque fois. Ok. Là faut que je lui mette la max. Quand vous jouez une carte attaque, gagne 4 de blocage. Parfait. Vas-y, attaque. Tiens. Tout va bien. Ce serait bien de le tuer, non? Parce que sinon, je vais y passer, là. Ah, si je le tue pas, j'y passe. Alors combien je peux lui faire? 7.
13, 22, et pas assez. Gagner 2 de force. Appliquer 3 de faiblesse. 25% less with... Oh. Ah mais 2 de force. Est-ce que 2 de force, ça multiplie par 25... Enfin, ça fait... Ça donne 25% de plus, ou alors ça donne juste 2 de force? Parce que ça donne juste plus 2 d'attaque. Parce que si ça donne juste plus 2 d'attaque, je suis pas très bien. C'est la question. Ça ferait 38. Même pas, je le tue pas en fait. Est-ce que Daft, est-ce que tu as la réponse à cette question importante? Pas faire la fine bouche, on t'offre des trucs à toi, pas au moins quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que. Goyom, je joue la carte Lutz. Merci, sceptique. Et bon appétit, Dark Bob. Ah, invulnérabilité à tous les ennemis. Ah, attends, c'est bien ça. Est-ce que quand on ajoute 2 de force, est-ce que... Il n'y a pas de souci. Laisse penser à la même difficulté devenue nowhere, ouais. Est-ce que 2 de force, c'est 2 d'attaque en plus? C'est ça la question. Test, de toute façon, tu es mort si tu prends pas. Exactement! Il a raison. C'est beau. C'est beau, putain. Donc j'ai 2 de force de plus. Augmente les attaques de 2. Toutes les attaques de 2. Ah, voilà. C'est bien ça. Ah, c'est bien ça. Donc là, maintenant, comment ça se passe? Donc là, je devrais faire beaucoup plus mal. Je perds des PV. Donc 9. 17. 28. Et 38. 44. Non, 46, pardon. Un peu. Non, j'ai pas compté. Je sais plus compter. Ah là, ça tape, hein. Je crois que ça fait mal. Hein. Je crois que c'est bon. Je sais plus compter, mais je crois que c'est bon. Ah, il y a l'histoire du debuff. Nique-toi bien. 14. Ah, mais en fait, ça passait. Hop. Ouais, ça passait en fait. Balance toutes les cartes, arrête de compter! Tu m'emmerdes! Voilà. Fiche 10 points de dégâts à tous les ennemis. Ok. Fiche de dégâts. 7 dégâts à tous les ennemis. Gagner 5 de blocage, infliger 5 de dégâts. Ouais. On va aller se reposer. Ouais. Puis ça fait pile assez. 44, j'ai dit combien? 46, 48, 40. Yeah, c'était 40. Tu vois, finalement, finalement j'étais presque. C'est comme ça qu'on joue. Tu tues l'ennemi et tu réfléchis après si tu pouvais le tuer. Si seulement. Allez. Wouah! Oh là mon dieu, il est dégueulasse! Oh, il est dégueulasse! Il est vraiment dégueulasse! Tu vois, il revient à chaque fois! J'en suis sûr, si ça se trouve, c'est au pif, mais chez moi, ça revient à chaque fois. Parce que c'est de la merde. Alors. C'est Nessie. C'est ça. Bon, de toute façon, j'ai envie de te dire. Voilà. Si tu bourres pas. Bon appétit, moi. Enfin, à tout à l'heure. Le coup des cartes que vous piochez est aléatoire. Ok. Ah oui, c'est aléatoire. Ouais, c'est aléatoire. Ouais.
Salut RM. Je pourrais me défendre. Ouais, dans le doute. Je préfère me défendre. Tape. C'est pendant combien de temps? Ah, c'est pendant tout le temps. Génial. Pouette, merci El Santanas. C'est un pouvoir. Et là, de toute façon, il va me mettre à... Ouais. Il va me faire mal et ça va me mettre à 50 PV, non? À 50%, non? Non, pas encore. Dommage. Dommage, dommage. Dommage parce que si je me tapais là, j'aurais pu avoir du bloc, j'aurais pu avoir un point d'énergie supplémentaire direct. 12 points de dégâts. Et il prend 25% supplémentaire en plus pendant un tour. Donc faudrait le taper en fait. Ce qui serait bien, c'est de le taper. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Comme ça, vu que je garde tout le long. Et du coup, là, il perd son... Ouais. Donc là, j'ai un point en plus. Parfait. Okay. Je fais mal, je gagne du blocage. Et je me mets la max. Voilà. Je m'en fous, je lui fais mal. Tu me touches pas. Tu me touches pas. Souffrance. Ah, elle revient. Elle revient. Bonjour. Je suis là pour toi. Je reviens. Viens, perdre 2 de force. Tant mieux. Je m'en fous, ça coûte 0. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Hein. Je m'en sors. Hein. Je m'en sors. 9. Au revoir. C'est ma première run en plus. Hein. Si vous avez une question sur le jeu, n'hésitez pas. Hein. Gagner 2 nuages. Vantardise, gagnez 2 de force à la fin du tour, perdez 2 de force. Ouais. Oh, ça peut être bien. Ça par contre je comprends pas en fait. Infliger 3 points de dégâts à un ennemi aléatoire 3. Est-ce que le 3 c'est ajouté à la... au pif? Et ça... Bouf. C'est pour être sûr d'avoir une carte bien à la fin du tour, à la fin du tour d'après. Je vais prendre ça. Allez. Ça fait 3 fois 3 dégâts au pif. Ah, c'est 3 fois 3 dégâts au pif. Ah putain, c'est pas mal quand même. Ouais, je crois que maintenant... Par contre, j'aimerais bien m'arrêter quelque part, finalement. Ça aurait été plutôt bien. Merci, Magnonia. Merci. Merci pour ton loot, c'est très gentil. Coucou. Des bisous. Donc. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah. Ah ouais. Pas gagné, hein.
Bah oui, des bisous. Oui. Exactement. Bonne année à toi. J'espère que ça va bien. Tout ça. Plein de pognon. Bah, santé, mais plein de pognon. C'est important. Oh, très bien ça. Très, très bien. Donc là, je vais prendre cher, en gros. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Vas-y, fais-moi mal. Ça va. Ça va, ça va. 25%. 25% d'attaque en moins et 25% de blocage en moins. Sauf le pognon, mais tu te sois. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, techniquement, c'est pas top. De toute façon, le pognon est jamais là. Hein. C'est finalement, c'est comme si. C'est la RNG du pognon, souvent, elle est bof. Hein. Elle est pas souvent pour nous. Hein. Et les mecs qui ont du pognon, ils ont pas utilisé la RNG du pognon. Donc là, est-ce que j'ai la... Non, c'est pour le prochain tour. Ouais. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, hein. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Ouais, les mecs qui ont du pognon de shit. Bonjour, Scalino. Ah si si, attends, là le jeu il est bien, Scalino. Écoute, il est vachement bien le jeu. Donc, franchement, le jeu est très très bien. Alors. Donc j'ai 5 d'attaque. Il faut que je lui fasse mal tout de suite. Avant qu'il mette ses 3 de blocage à la con. Mais je paie. Mais problème, c'est que. C'est que... Ah merde, non. Oh non, j'aurais pas dû utiliser ça. Voilà. Voilà, voilà. J'ai fini. J'ai 16 de blocage et il attaque pas. C'est con, hein. 2 affaiblis et 2 frêles. Donc en fait, faut vraiment que je me grouille. Hein. Faut vraiment que je me grouille. Ah bah attends. Hop. Je gagne 2 de force. Ok. Je gagne 2 de force. Donc je récupère un peu, non ? Fiche 5 dégâts. 6 à tous les ennemis. 12. Prends. Un loot, 5 cadeaux, merci. 11. 11. Attends, je le tue là. 4, 8. Ah, je le tue pas là. Bon, de toute façon, comme a dit Moa, on verra plus tard. Ah, ça le tue pas! Ah! Il fallait pas écouter Moa. Merde! Ah! Je vais mourir. Ah, je le tue pas. Je ne le tue pas. Fait mal. Ah, j'aurais pu utiliser ça. Ah, oh, je suis trop con, j'aurais dû utiliser ça. Bon bah, t'es un peu con. Trop tard. Dommage. Tout ce qu'il ne faut pas l'écouter, c'est vrai. Ambidextrie. Copier une carte attaque ou pouvoir. C'est bien ça. Épuise toutes les cartes. Sauf attaque. Gagner 5 de blocage par carte épuisée. Fiche 6 de dégâts. Placez une copie de la carte dans votre défausse. Oh. Allez. Vous pouvez désormais gagner de la force au feu de camp.
Qui voudrait tomber sur un élite? Personne. Vous commencez chaque combat avec plus 1 de force. Ah, oh, je suis pas con, quand même. Si je veux continuer... Ah, on va pouvoir acheter des cartes. Donc, ça fait la deuxième fois que je vais ici. Apparemment, tomber chez le mec, c'est pas... Voilà. Oh, tu peux avoir des... Tu peux gagner des reliques. Bon, par contre, là, quand même, j'avoue que ça commence à faire beaucoup, hein. Beaucoup de choses à... Enfin, j'ai récupéré beaucoup de choses. Donc ça, non. Je peux les vendre? Non. Ah, je peux me défausser. D'accord. Alors, open pick, upgrade 2, random skill. Ok. Vous ne rencontrez plus les monstres dans les... Oh, c'est bien ça. Ça, je peux voir la map. C'est bien ça. Je pourrais aller au boss directement. Et je pourrais avoir que 2 combats. Pas con, hein. Tu vas me dire, là, il y en a que 2, hein, techniquement. 1, 2... Ah non, je pourrais avoir un combat seulement. C'est pour virer la chiante qui arrive en début de combat à chaque fois. Ah, attends, tu vas comprendre ça, c'est quoi? Service de retrait, vous retirez une carte de votre deck. Le coût de ce service coûte 25. Augmente de 25 pour chaque partie. Pour le reste de la partie. Hein? Ah oui. Ah oui, il avait raison. Oh, merci, Pika. Oh. Merci. Donc, colère, infliction dégâts. 2 fois. C'est bien. Oui, ça va, c'est pas mal. Ça, c'était pas mal. Finalement, ça m'a aidé. Quand une carte est épuisée, vous piochez une carte. Ouais, bof. Les jeux Switch sont mieux. Ouais. Transmutation. Transforme votre main. Oui. Ouais. Appliquer 2 de vulnérabilité. Début de chaque combat, vous gagnez 1 de force. Ok. Bon, voilà. Ce qu'il y a, oui. Ça coûte pas cher. J'ai pris parce que c'est pas cher. Voilà. 3 cartes. Vous gagnez 2 de dextérité. Et ça sert à quoi, la dextérité? Ok. Hop. Voilà. Donc là, du coup, je peux plus tomber sur des méchants. En passant dans une zone éclairée, vous rencontrez plusieurs silhouettes encapuchonnées au beau milieu d'un rituel maléfique. Ah, ils ont vraiment une tête dégueulasse. Tandis que vous vous approchez, elles se tournent vers vous à l'unisson, inquiétant. La plus grande possède des dents acérées, étant une main aux longs doigts pâles vers vous. Joignez-vous à nous, mon frère, et venez ressentir la chaleur de la tour. Vous retirez toutes les frappes. Toutes les frappes. Vous obtenez 5 cartes morsures. Infligez 7 dégâts. Et récupérez 2 PV. Ah, donc tu deviens un vampire, en fait. Ah, c'est marrant, ça, putain. Ah, c'est drôle. Ah, ça retire toutes les frappes. Du coup, ça retire toutes mes 5 frappes, en fait. Les 5 frappes, sachant que je fais 9 de dégâts 3 fois et 6 2 fois. Et ça me donne des PV. Ah, ça me donne des PV. Ça me donne 2 de PV quand même, hein. Pour que tu existes, ah, ça me donne 2 PV, hein. Enfin, franchement, je tente, hein. Alors, j'ai pas lu ce qu'il y avait dit juste après, mais ça devait sûrement être quelque chose de bien. Allez.
Ça se trouve, je ferai pas le... Ça se trouve, j'irai pas plus loin. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qu'il a? Gagne 14 de blocage à la fin de son tour. Perd des PV à cause d'attaque réduite. L'armure plaquée de 1. Quoi? Lui, ça sent la merde, lui. Hein. J'arriverai jamais, c'est ça. Enfin, j'arriverai jamais au boss, quoi, en fait. Tu t'es 7-7, quoi. Ah ouais, non, mais bien. Espèce de Hercule. une carte attaque ou pouvoir. Est-ce que j'ai une carte bien, là, d'attaque qui est... Je peux la copier, celle-ci, hein. C'est d'un pouvoir, ça, ou pas? C'est une compétence. Donc en fait je peux pas me... Donc là je vais prendre... Attends. Là. Quoi qu'il se passe, je vais prendre 24 pour l'amour du beau jeu. Cassez-vous. De la force. Ok. Techniquement, je vais pas mourir en poule, non. 7. Qui j'attaque? Finalement. D'accord, c'est à la fin de son tour. Putain, quel connard. J'attaque qui? Là. C'est une carte attaque, hein. Oui, c'est une carte attaque. Et je peux en faire deux. Ah merde, du coup j'aurais dû l'utiliser. Ah bah non. Non. Quatre fois deux, c'est mieux. Voilà. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Donc je prends que 12. Au lieu de prendre 24. On va quand même se dire que je ne suis pas mort. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Je réfléchis même pas. Ça, c'est bien aussi. Voilà. C'est très très bien. Je ne suis pas mort, pas encore. Gagner 5 de blocage et inflige 5 de dégâts. Tu meurs. Et là, bon bah voilà. Là maintenant, c'est l'infini. Là, c'est l'infini. Quoique c'est l'infini, pas tant que ça. Si, mais pourquoi? Alors attends, comment ça fonctionne? Il perd des PV à cause d'attaques réduites? Ça, je comprends pas ça. C'est à moi pas comprendre. Tu perds ton truc.
Il faut taper ses PV pour lui faire perdre ses plaques. Ah bon? Ah! Ah oui! Ah ouais! Ah ouais! Même c'était pas clair. C'était pas clair. C'était pas clair, c'était pas clair. C'était pas clair. Je suis pas mort, hein. Je suis pas mort. Techniquement, je suis pas mort. On est d'accord que je vais avoir une de 4 à la fin de votre tour. Donc là, j'aurai 12. Enfin, oui, c'est bon. 2 de vulnérabilité. Ok. Voilà, puis... Ça, de toute façon, ça, on s'en fout. Easy. PV, ça tape dans l'armure d'abord. Oui. C'est vrai. J'avais pas compris du coup. J'avais pas compris. On perd des 3 PV. Bon, attends, je perds 3 PV et après je récupère 2 mes morsures. Et tu meurs. Parfait. Par contre, oui, j'ai pas vu, mais je crois que devenir un vampire, ça m'a fait perdre mage de HP max, en fait. J'avais pas vu. Dépense tout et inflige 8 dégâts. Oh. Ah oui, moi je prends ça. Alors. Un homme vous avec un cache-œil et un sourire démoniaque s'avance vers vous d'un pas décontracté. Faudrait faire une pause, non? Ouh là là, mais attendez. Ça fait 1h30. Oh, j'ai pas fait de pub. Bon, c'est pas grave. On fera une pub juste après. À nécessite sans or, j'ai rien. Est-ce que vous voulez de la dope? Bah non. Bah je peux pas. Je peux pas. Je suis mort là en fait, on est d'accord. Là le boss il va m'ouvrir en 12, en 12 non? 420. Allez, il va m'ouvrir peut-être en 12 ou en 27, c'est Scuti Cap. Bonjour. Ouais. Ouais. Voilà. Ah, c'est pendant 3 tours. T'es bien, tu vas l'ouvrir. Ouais. Chiant. Qu'est-ce qu'on dit? Donc... On va l'ouvrir. Allez. Re-moi. J'ai pas perdu. Moi, je n'ai pas perdu. Tu te rends compte? Une carte attaque au pouvoir. J'ai pas de pouvoir, mais je peux... Oh, quoique. Ok. Ah, mais c'est la copie, la copie! Ah, c'est bien! Bien. C'est bien.
C'est bien ça. Ah oui, non, non, mais bah oui. Mais tu l'as. Tu vois, j'avais pas compris. Pourquoi? Alors, donc là j'ai plus rien. Ok. Donc maintenant, à cause de ça, je... ouais, j'ai moins. C'est moins le kiff. Non, mais ça va le faire. Ça, c'est vrai, c'est étonnant. Il y avait marqué que ça allait me copier, ça m'a copié. C'est fou, quoi. Ah, en fait, le rat de coup, en fait, j'en avais que deux. Là, j'en ai plus. Ok. Ok. Donc... un effet négatif. C'est étonnant. Exactement. Donc ça, c'est toujours bien. J'aurais dû faire ça avant, je crois. Parce que c'était une carte attaque, je crois. Attends, faut voir. C'est une... c'était une carte attaque. Est-ce que je suis con jusqu'au bout? Non. Allez, où? C'était une carte quoi que j'ai balancée, là? C'était une carte pouvoir. C'est pas une carte attaque. Tout va bien. Je suis paumé, Victoire. Tu es paumé. Oh, pourtant... ça va, c'est pas trop compliqué, quand même. C'est moi qui dis n'importe quoi? Je m'excuse. Mais c'est pas Berserk, là, que j'ai utilisé. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ok. Super. Ok. Ce qui te permettra d'avoir 5 d'énergie, c'est pas ton interrogation. Non, mais ça, regarde. Non, mais en fait, je pense qu'on se comprend plus, ouais. J'avoue, on se comprend plus. Donc là, je pourrais avoir 6 points de dégâts x 4. C'est pas ouf, en fait. Et t'as troll, ouais. Ah, c'était pas ouf. Ouais, on se comprend plus, Victoire. Je pense que là, c'est terminé. C'est pas ouf, hein. Faut tout tenter, hein, non? Ouais. Ah, je sais pas quoi faire là. En fait, je pourrais utiliser ambidextry pour avoir 3 fois hémokinésie. Sauf que avoir 3 fois hémokinésie, je pourrais le faire, bah je pourrais attaquer que 3 fois.
Mais je pourrais lui faire 30 points de dégâts, même 32 points de dégâts. Mais je perds 9 points de vie. Je pourrais pas me... Ouais, mais attends, de toute façon, on s'en fout. Je pourrais mettre Berserk. Par contre, l'histoire de copier des cartes, il y a un truc que je comprends pas. Quand tu copies des cartes, t'en as deux, t'en as pas trois. Tu prends une carte, tu la copies, ça fait deux. Ça finalement. Voilà, c'est bon. J'ai fait un petit mélange des deux, Goyome. Ça va. Ça va, ça va. Ouais. Non, tu copies deux fois la carte que tu possèdes déjà. D'accord, tu copies deux fois. Tu la copies pas une fois, tu la copies deux. Ok. Ça va, ça va, ça va. Ça va. Donc là, j'ai 5. Ok. J'ai 5 points de... j'ai 5 points vu que j'ai pris masse de dégâts. Lis mieux. Ouais, 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 lis mieux. Il va avoir 5 à chaque fois. Merci Emilio. C'est pas facile, hein. Là, il va faire quoi? Il va mettre un effet négatif. Donc là, il va prendre 5 obligatoirement. Ok. Tu l'as au fil de ton épée. Quoi? Goyome, on se comprend plus, ça y est. On se comprend plus, putain. Est-ce que j'ai envie de perdre des PV? Ah, il faut taper. Faut que je tape. Et là, il va se buffer. Ok. Ah, mais moi, je les référence, j'ai pas. En plus, je suis concentré. Comment tu veux avoir des références quand t'es concentré? Voyons. Un peu de tenue, s'il vous plaît. Ça sert à rien ce que j'ai fait, mais j'ai utilisé toutes mes cartes. Ouais, ouais, je perds tout là. C'est pas bien. Tu n'as jamais envie de perdre tes PV. Oui, mais bon. Ouh. C'est mes points de vie, mes viewers, c'est mes points de vie. Et j'ai toujours pas fait de pause. J'ai toujours pas fait de pause. Ah là, je pourrais faire 5 x 6. Ça serait bien. Sauf que je le tue pas. Et là, il va me faire très mal. Salut Ambrosia. Ah, il va faire mal là. J'aurais dû le faire après. Enfin, j'aurais dû le faire avant. Attention, waouh!
6 points de dégâts. Ça va, je prends que 10. Ça va, ça va. À 19 fois 3. Au revoir. Au revoir. Je pense que je suis mort là. 6, 10. Ah, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Franchement, j'ai tenu longtemps. J'ai tenu longtemps. La partie, elle a duré une heure et demie, là, je crois. Même plus. Elle a duré... Ouais, mais un peu plus d'une heure et demie. J'ai même pas déverrouillé. T'es sérieux? J'ai joué pendant au moins toute ma vie. Étage terminé 33. Étage ennemi tué 12. Que 12? Exordude... Ok. Collector. Ah, j'ai déverrouillé un nouveau personnage. L'amour des cartes a été avec moi. C'est beau ce que tu dis, Goyum. C'est beau. J'ai envie de pleurer. Ce jeu est très très bien. Ce jeu est très 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 bien. Ah, tu peux modifier ton nom. Ok. Petite pause ? Bah du coup petite pause, hein, je suis désolé mais petite pause maintenant. A tout de suite pub. Restez là bien entendu, envoyez des loots, restez là, c'est important. Pub.
heureux, heureux, heureux dans Slay the Spire et heureux dans le premier jeu, je crois, où enfin, non pas où enfin, où j'ai réussi à battre Daft Punk quelque part. Et ça, quand même, c'est pas c'est grand chose. Enfin, c'est beaucoup pour moi. C'est beaucoup. J'ai réussi à battre Daft. Bon, c'est juste sur un truc nul, mais c'est pas grave. Pour moi, ce n'est pas si nul que ça. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, voilà. Bref, du coup, bah, on va pas aller très loin. Hein. On va refaire vite fait une partie. Et on s'arrêtera assez rapidement, en fait, parce que ça fait déjà bientôt 2 heures. Mine de rien. Mais très bien. Franchement, le jeu est très très cool. Hein. Bon, y a pas l'air d'avoir énormément de contenu, si tu regardes bien, en fait. Pas dans les statistiques, les succès. Attends, non, t'as pas tant de boss que ça, mais bon, enfin, y a pas l'air d'avoir un masse de contenu, mais assez pour jouer, quoi, assez pour s'amuser. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Une funeste chasseresse de terre brumeuse. Ah, c'est trop fort. Oui, il fallait que je rebaisse le son. C'est pas grave, Thanatos, on te fait des bisous. Mais le jeu est très bien. Et ce filament, je sais pas si je t'ai dit bonjour. Mais si je t'ai pas dit bonjour, je te redis bonjour. N'hésitez pas à lootser, bien sûr, comme toujours. Merci pour tous vos loots. Merci. Elle annie les ennemis à l'aide de ses dagues et de poison. Au début de chaque combat, vous pouvez piocher 2 cartes supplémentaires. Ah, donc plus de choix. Plus de choix. Et l'autre, c'était quoi? T'as une bibliothèque de cartes. Est-ce qu'on peut... Non. D'accord. Est-ce qu'on peut changer le deck? Non, j'ai pas l'impression. Ah, là, il y a un petit problème avec les textes. Vous ne voyez pas. Premier loot du jour, merci. C'est dommage parce qu'on voit mal sa tête, là. C'est bizarre. Bah, allez, on va prendre la chasseresse pour dire de changer de perso. Ah, quoique, tu peux... Si je vais là, je continue à débloquer. Je pourrais débloquer quelque chose. Non, allez, on va rejouer avec lui pour débloquer. Pour voir ce qu'on débloque. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez, je m'appelle Niu. Niu. Faites un choix. Ah bon? Obtenez un random boss relique. Transformer une carte. PV... Bon, je perds 16, je gagne 16 de PV en plus. Enfin, 16 PV max. De toute façon, au début, ils font pas mal. Du coup, si je passe là. Ok. Tiens, j'irai au shop. Au début, ils font pas mal. Donc là, maintenant, je vais aller beaucoup plus vite. Voilà. Logique. Mais j'ai tout compris. Gagne 3 de force à la fin de son tour. Donc à la fin de son tour, il fera faire plus mal du coup. C'est pas mal hein. Comment je vois mes cartes? Ah d'accord, la TK. Ok, donc tu redémarres toujours avec un deck de base. Ok. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Et du coup, le jeu est disponible. Ah, c'est un roguelike. Merci. Enfin, des bisous à la puce qui saute. Et oui, c'est un roguelike. Oui, oui, pardon. Je t'ai pas. J'ai mis un petit moment pour te répondre. La dernière fois qu'il m'avait battu, c'était sur Flint Hook et je l'ai tellement tryhard que j'ai battu le record du monde. Et en plus, il a raison. Et mais attends, il est sur speedrun.com, Daft, ou pas? Je me pose la question. 12. Ouais. Ah, il gagne. Oh, mais il faut se dépêcher, en fait.
Oh putain, oui, j'avais pas vu. 18. Oh merde. Là, ça va faire que 9. Ah, j'avais pas vu. Aïe. Ouais, dashboard interne, ok. Je suis désolé, hein. Oh là là, heureusement que je l'ai tué vite parce que... J'ai failli faire de la merde. Alors, gardez, perdez 3 PV, gagnez 2 énergies, piochez 3 cartes épuisement. Faut les piocher, quoi. Tu peux expliquer en deux mots. Alors, je vais t'expliquer en deux mots dès que je reviens ou, je suis en combat. Dès que je suis en combat, je t'explique. Quand vous la jouez, ces dégâts gagnent 4 pour ce combat. Ok. Alors... très simplement, donc roguelike très simplement, tu as une carte qui est sûrement est générée aléatoirement où tu vas tomber soit sur des combats, soit sur des rencontres où tu vas gagner du buff, du debuff, hein, des objets, des trucs comme ça, donc comme un roguelike, je t'apprends rien. Ouais mais là en fait je vais aller dans un shop. Bon, je vais dans le shop, je t'explique quand je suis en combat, pardon. Donc, qu'est-ce que je peux avoir dans le shop intéressant? C'est quoi ça? Coûte 1 R. C'est quoi 1 R? En moins. Ça doit être de l'énergie, non? Par PV perdu dans ce combat. Un fichesse de dégâts. La silencieuse. Non, j'ai pas pris la silencieuse parce que je vais débloquer quelque chose là. Gagner 5 de blocage. Améliorer une carte de votre main pour le reste du combat. C'est bien ça. Ouais, c'est bien. Allez, fais voir si je peux pas prendre un truc. Tiens, allez hop. Et je prends une petite potion. Incendiaire, voilà. Donc, allez, je vais en combat. Donc voilà, c'est un jeu de cartes oui, c'est un jeu de cartes, jusqu'à là, tout va bien. Tu as ton personnage ici, tu as ton deck ici, et en fait, le but, c'est de tuer les ennemis qui sont là. Et en fait, tu infliges des attaques, enfin, tu infliges des attaques aux ennemis en utilisant des cartes, et ces cartes ont un coût en énergie, et tu as des points d'énergie là qui se rechargent à chaque début de ton tour, et c'est un peu comme Hearthstone. Enfin, l'histoire des cartes et des attaques, c'est un peu comme Hearthstone. Voilà. Et puis après, ben, t'as des buffs. Comment on appelle ça, des effets, des trucs, enfin plein d'autres choses, pas que, il y a pas que des attaques quoi. Mais oui, je sais pas comment expliquer en fait différemment de ça. Les cartes se débloquent au fil du parcours, oui, tu débloques des cartes plus tu joues. Plus t'avances aussi, plus on va te proposer à chaque fois que tu as tué un ennemi de piocher une carte et on t'en propose une. Plus de gros combats, en plus. En gros, plus le combat est long, moins la carte coûte cher à jouer. À la fin, elle fait 16 de dégâts pour 0. Mais bon, c'est chiant parce qu'il faut la prendre. Faut prendre des coups pour que ça soit intéressant. Ouais. Pas de soucis. Mais c'est stylé. C'est sur Steam. C'est en Early Access, pardon. Par contre. Et c'est 16 ou 17 euros. Ce qui est pas trop donné. Mais bon. Le jeu est cool. De votre main. Oh, c'est bien ça. Ces dégâts augmentent de 8 pour ce combat. Fais voir. Donc là, attends, je vais me faire des buffs. Il va se buffer.
Est-ce que du coup là il va mettre 16? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Après avoir encaissé des dégâts d'attaque, se roule en boule et gagne 5 points de blocage. Casse-toi! Ok, non, donc ça veut dire que là, pour la prochaine fois, ça sera 16. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Ok, affaibli. Bon, ça, c'est les debuffs, c'est toujours ça, ça va. Donc lui, il va mourir. Ah non, c'est... Ah, j'ai eu un debuff. Et lui, il se buff. Est-ce que ça vaut le coup que je le tue? Ah, ça vaut toujours le coup de tuer les gens. Voilà. C'est important. C'est que maintenant, avec les gavages des indés, tout petit jeu au pif coûte 20 balles. Ouais, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Il a Reza. Et puis, j'augmente. Et j'ai toujours ça. Mais pendant un tour. Je pourrais lui faire 8 de dégâts. Non, je pourrais lui faire... Ouais, je pourrais pas le tuer à ce tour-là. Donc. C'est juste pendant ce... Mira 4 dans votre main pour le reste du combat. Sur le combat, c'est... Il se termine rapide. Il se termine assez... En pas longtemps, donc... Ah merde, j'avais pas vu ça. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est trop tard. Je pouvais pas le tuer de toute manière. Faut que je lui fasse 12. Mais hémokinésie, c'était pas mal, hein. Dommage que je peux pas l'avoir. Hop. Et là, normalement... Normalement, c'est gagné. C'est bon. Des bisous, Dark Bob. Merci. Après, c'est vrai que ce business model fonctionne sur des purchases in-app, alors le coût de départ ne devrait pas être relevé. C'est-à-dire... Ah, attends, sauf que Sally est vraiment cool. Puis est sorti après ce qui est mis à jour par semaine. Vous parlez de ce jeu là, hein? Oh, deux potions incendiaires, c'est pas mal ça. Oh, c'est bien ça. J'ai pas regardé les autres, ça c'est très bien. Mais j'aurais dû regarder les autres. Agressif, cet ennemi con. Ouais, ok. Ça il me fait pas mal. Ah. Ouais, donc en fait le saccage, pour que ça soit bien, faut que tu retombes dessus. Au moins, faut, en fait faudrait que tu retombes dessus quand t'es sur avec un boss quoi. Sinon ça sert pas à grand chose. Ça va parce que les jeux coûtent 20 balles. Oui. C'est 15? Je sais même plus combien c'est exactement. Ah, 12 points de dégâts. Alors là, je lui enlève sa protection, je lui mets 12 points de dégâts. Et je le tue, en fait. Affiche 13 points de dégâts, applique 1 point de... Oh, mais c'est très bien, ça! Affiche 5 points de dégâts, c'est un ennemi vulnérable. C'est ennemi vulnérable, gagné, et puis... Oh, ok, bon, je prends ça quand même. C'est pété! C'est pété. Wouah! Pourquoi c'est quoi tous ces ennemis là? J'avais jamais eu? En fait, saccage et les autres cartes comme ça, sympa avec des decks pour tirer un max de cartes ou des decks avec 15 cartes ou moins. Ouais. Non mais il y a des synergies pas mal hein. Le jeu, les mecs ils ont leur jeu, il est pas dégueulasse hein, loin de là. Ah, n'attaque pas. D'accord, donc lui il attaque pas, je vais pas l'emmerder. Peut-être ça se trouve il va m'aider. Ah là je peux en tuer un. Ouais alors dans le doute lui je le flas.
Je le vla plutôt. Et je me protège. On va voir ce qu'il va faire lui. Il fait rien. Et il m'affaiblit. Ok. Ah, j'ai des soins. Alors fais gaffe au petit violet bleu, il canalise. C'est-à-dire il canalise. Depuis quand les monstres veulent aider? On sait jamais. Gros dégâts. Ah, ça vient. Ça vient, madame. Merci, merci, Cookie. Oh, 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 oh. Ah, ça vient. Ah, merde, en plus, je peux pas le tuer. Enfin, si, techniquement, je peux le tuer. Je peux le tuer, mais je prends 2 de dégâts. Je prends 8 de dégâts si je le tue. Heureusement que tu me l'as dit. Hein. Merci beaucoup. Ça va, je gère. Je gère. En fait, c'est très chiant, ça, par contre. Enfin, lui en fait ça va finalement hop, annuler sa prise d'attaque. Il m'a fait combien dans la dans le boss de fin là tout à l'heure? Il m'a fait 19 x 3 non? À la fin il m'a fait 19 x 3 je crois. C'était pas agréable. Mais j'avais un bon deck. J'étais assez content de mon deck. Même si, voilà, c'était pas moi qui avais fait quoi que ce soit. C'était pas mal. C'était pas mal. Là, je peux le tuer. Et me protéger. Donc, on va faire ça. Hein. On va faire ça. Affaibli. Ah d'accord, en fait à chaque fois que lui t'attaque, il t'affaiblit quoi qu'il se passe. C'est pour ça que ça ne se barre jamais. Ok. Bon, au bout d'un moment, copain, faut que tu meurs. M'en fous, je prends un coup. Je prends 4, mais faut que tu meurs. Parce que si tu meurs pas, on va passer encore 3000 plombes et non. Ça c'est bien. Allez, j'ai pas assez de points de vie. Je serais bien. Allez, vu qu'il est 13h04, je prends des risques. Bof, il me faut plus de dégâts. Voilà. Faut prendre des risques, bordel. C'est oublié. Alors. Ouais. Voilà, et lui il va me faire quoi? Il va m'effet négatif. M'effet négativé. Ouais. Il va me donner des trucs nuls. Ouais, bon voilà. Par contre, j'ai fini une run avec plus 180 de force. C'est très bien ça, dis donc. C'est très très bien.
Salut Cham Cham. Ouais, c'est bof, hein. Bon, c'est bien parce qu'il faut le taper, hein, parce que voilà, mais bon, c'est pas ouf, hein. En fait, je m'en suis bien sorti à ma première round, mais. Ah merde, il m'a mis quoi? Injouable, une plaie. C'est très bien. C'est stylé le fait d'avoir des cartes en fait que tu puisses pas utiliser, que ça s'appelle plaie. Il y avait quoi? Il y avait souffrance. Ça c'est vrai, vachement bien ça, c'est bien fait je trouve. Combustion. Frappe double. Est-ce que je peux le tuer? Il a des cartes de poison. Ah oui, donc en fait l'autre perso a des différentes cartes. Quand tu as déjà un deck déjà shit, évite de prendre des cartes, ça risque de te polluer. C'est vrai. D'où le fait que tu puisses passer. Mais là, je viens de démarrer là. Je viens de démarrer à tous les ennemis. Ça lui fera mal. Salut Urka. C'est le premier pour commencer. Qui est le plus facile à jouer? Bah ce personnage, parce que c'est le premier que tu as en fait, l'Urka. Et bonjour à toi. Enfin oui, j'ai déjà dit bonjour, je crois. J'ai oublié, hein, c'est mon cerveau. Je suis malade. Mon cerveau est malade. Je pourrais le tuer. Et sachant que lui il va me faire un effet négatif, eh bien je vais le tuer. C'est mieux. 6 de force. Ok. Faire un build poison. Ah d'accord, mais c'est pas la première fois que tu joues, d'accord. Ah bah alors je connais pas les autres persos. Casse-toi. Voilà. Voilà, finalement j'avais pas envie de perdre des points de vie. Du coup, finalement, c'est vrai que le tuer comme ça, c'était bien mieux. Jouable que si vous n'avez que des attaques en main, d'accord. Ça vient, merci pour ton loot, c'est le Santanas. La fin du tour, gagner 3 de blocage. Oui. Moi j'avais métallisation plus. Alors, on va passer par là. Je vais me reposer. Voilà. Par contre, je sais pas si je vais Oh, kunai. Chaque fois que vous jouez 3 attaques en un tour, vous gagnez 1 de dextérité. Mais c'est quoi dextérité? Ça fait quoi? Ah putain, pas eux. Eux, c'est de la merde. Eux, c'est de la merde. Ok, c'est faire moins mal. Dex c'est 1 de défense. Ok. Est-ce qu'on peut avoir une carte plus plus? Je te conseille un adversaire à la fois au niveau des focus des monstres parce que sinon ça augmente le nombre de tours et plusieurs adversaires peuvent te taper car
Après les monstres synergisent buff des buffs, plus loin dans le jeu, tu vas te faire tabasser. Oui, 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 mais j'ai vu. Je me suis fait défoncer. Enfin, défoncer. J'ai vu l'histoire des. Oui, enfin, c'était chiant, quoi. Weebly a Dark Souls 6. Ah, je le savais. Je savais que t'avais des jeux qu'on n'avait pas. 14. Il y a certaines, oui. Non, pas ça. Dommage. Dommage. Bon bah. Quel dommage. Bon, je le tue, donc soit t'en 14, non. Dommage, hein. J'aurais pu le tuer. J'aurais pu peut-être tuer les deux. C'est pas grave, Weebly, hein, je ne t'ai rien dit. Je ne t'ai pas engueulé. Potion de blocage, vous gagnez 12 en blocage. C'est très bien ça, dis donc. C'est très bien. C'est bien ça aussi. Mais je prends ça. L'attaque avant tout, c'est important. De toute façon, faut aller vite. Il est 13h13 et je vais bientôt devoir arrêter. Faut que je me grouille. Ah, c'est chiant. Il va prendre de la, il va prendre de la force tout le temps. Il faut que je, faut que j'attaque lui. Ah merde. Bon. C'est pas gagné. Bon, toutefois, il va mourir comme ça. Toutefois. Faut que je me grouille. Deux de vulnérabilité. On est d'accord que il reçoit plus de dégâts. Il n'y a pas d'histoire de. Il reçoit juste plus. Ouais. Dernier loot pour la route, merci. Pour la route. À la route. Un dernier loot pour la route. 2. Il reçoit 13. Je crois que ça le tue là. 13, 19. Ah non, 19. Dommage. Ah, attends, quoique. Il a un de faiblesse, donc peut-être que je lui fais. Attends, peut-être. Il prend 50, peut-être il prend. Il prend. C'est bon. J'ai calculé pour la pro. Ah merde. Oh. Oh. C'est pas mal ça. Each turn, poison résiste de one. Ouais. L'ennemi perd 2 de force. Épuisement. Ça, c'était bien, ça. Hein. Ouais, ça, c'était bien. Et je passe la potion. Oui, je sais. Non, mais je passe. La potion, je la prends pas. Je garde ce que j'ai. Oui, je garde ce que j'ai. Allez.
Ah oui, et lui il faut se grouiller parce que sinon il pile mon, il pique mon pognon. Donnez-moi votre pognon. Je pourrais me protéger là. Je pourrais me protéger pour être sûr de pas prendre. Ou je peux attaquer. Je lui fais 10, 18. Sans le tour d'après, je le tue, quoi qu'il se passe. Donc... Attends, 20. Quoique je le tue pas, hein, peut-être. Il peut se barrer. Non, dans le doute. Dans le doute. Quelqu'un qui m'a dit qu'il pouvait se barrer, donc... Si ça se trouve, c'est faux. Si ça se trouve, c'est vrai. Voilà. Et je récupère mon pognon. Dépense-toi, affiche tous les deux. Oh, tourbillon, j'aime pas. Et ça, c'était bien au début. Il vient de se barrer chez... Eh bien, voilà, l'IRK, merci. Tu as été le bêta-testeur et on t'en remercie. Inflige 3 de dégâts à un ennemi aléatoire x 3. Du coup. Donc ça fait que 9 finalement. Quand il y a plusieurs ennemis, c'est bien. Ouais. Allez. Allez, des ennemis. Comme ça, je vois tous les ennemis qu'il y a. Pourquoi il est marqué séparation? Qu'est-ce qui se passe? PV descend en dessous de 50% et se sépare en deux visqueux. Connard. Oh, pardon. Voilà. Il a pris cher. Ah, x3 du coup, ça va? Merci Draba, merci pour le follow. Des bisous à toi. Ah, il sait pas ce qu'il va faire. Bon, bah écoute, je sais pas ce que tu vas faire. Waouh! Donc là, je peux en tuer un. Hein. Salut Confetti. Oh, il est chouette. Il est chouette. Bonne année à toi, Draba. Drabas, plutôt. C'est important. Plein de pognon. C'est important. Très important. Une paire de force. Ok, bah je fais quoi là? Je me la touche. Qu'est-ce qui se passe? Jamais joué à Baton Kaitos. J'ai déjà vu des gens jouer à Baton Kaitos, mais j'ai jamais joué. Ça fait quoi là? Ah, 3 de force. Bah tiens. Fais pour ta gueule. Ça sert à rien. Mais... Ouais, c'est vrai que je suis sûr qu'il est très, il est très addictif. Merci. Et bonne santé, c'est vrai. C'est important. Il a moins. Ok, ouais. Il a... Et moi j'ai quoi? C'est quoi ça? Ah oui, c'est le dextérité. Augmente le blocage. Ok, c'est parce que j'ai balancé 3 d'attaque en un tour. Ok. C'est bien ça. Donc, est-ce que je peux le tuer? Donc, 9. Et je le tue. Je le tue!
Oh, ça j'aime pas trop ça. Ouais, on va faire ça. Encore, encore des ennemis, toujours. J'ai jamais vu lui. Ouais. Je pense que le jeu est plus équilibré, oui, parce que les mecs peuvent mettre à jour le jeu, donc de base. Oulala, là là, il va me faire un puissant effet négatif. Donc là, je peux lui faire 10. Je peux lui faire 23. Ouais. Bah, doute. Attends, je peux lui faire même plus que 23. Vous ne pouvez pas jouer de carte attaque pendant un tour. Culé. Culé. Culé, 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 culé. Pas grave. Ouais, mais ça va. Au revoir. Pendant ce tour, votre prochaine carte attaque sera jouée deux fois. Oui. Je dis oui. Allez, est-ce que je vais me faire défoncer? Oh, j'ai jamais eu ce boss. Fantôme à six faces. Les intentions de ce sont inconnues. Et ben on va voir. On va te mettre la max. La max. Ok. Bah pas tant que ça en fait. On a connu pire. Ah c'est vulnérabilité, dommage. Mal. Oh, il m'a cassé le cul. Ça faisait pas du bien. C'est bien ça quand t'arrives sur le boss. Je suis sûr que tu peux mourir direct. Je suis sûr que le boss peut te tuer direct. Et ça c'est bien, tu vois. Connard. Qu'est-ce que c'est? Injouable. À la fin du tour, vous subissez. Okay. D'accord. Mm-hmm. Donc ça fait 3 de plus. Allez, on va dire ça vaut plus le coup. Ah mais il me fait des brûlures tout le temps.
Non, c'est pas permanent, c'est pendant... Non, c'est pas permanent. Oh, enculé. Ah, il recharge ses trucs. Oh, faut se dépêcher. J'ai pas le temps. Attends, réduit tous les dégâts en dessous de 5 à 1. Oh bah ouais, mais bon. Et ben voilà, Eurist, c'est le jeu de la hype de Yat 2 jours. Ça y est. Il faut y jouer. C'est ma vie en dépend. On nous a payé des fortes sommes. J'ai touché 10 000 euros. Bon, en fait je vais mourir. C'est Philem. En fait je sais pas, il était dans les nouveaux jeux sortis en fait sur Steam. Je pense qu'il s'est passé quelque chose. Il y a tellement rien sur Steam en ce moment que comme il était dans les nouveaux jeux sortis, bah tout le monde y a joué en fait, tout simplement. Je peux le jeter sur moi? Personne ne jouait Kid Caméléon, bizarrement, c'est vrai. C'est vrai. Prochain, je prends la max. 3 x 6. Ah non, je meurs pas. Je meurs pas. Oh putain. Je vais pas le tuer. Attends, si, je vais le tuer. Je vais le tuer, ça va faire. Je vais le tuer. Parfait. Parfait, parfait. Barricade, le blocage n'expire. Oh, mais c'est très bien ça. Mais ça coûte cher. Je veux. Tenez maintenant 2 reliques lorsque vous êtes éliminé des élites. Oh, c'est bien ça. Ouais, mais les élites de l'autre, j'ai pas envie. Choisissez et ajoutez 5. Oh, c'est bien ceci. Je veux ça. Alors, intensité, piocher. 3 impossibles. 3 impossibles. De piocher plus de. Allô, la traduction. Il y a des gens qui demandent à mettre des micro-transactions dans le jeu. Personne, jamais. On appelle ça, c'est les développeurs, ils ont créé des comptes et ils disent « Oh là là, ce jeu est vachement bien, vous devrez l'augmenter de 50%. J'aimerais bien le payer 70 euros. » À la fin du tour, 1 point de dégâts à tous les ennemis par carte attaque jouée. Très bien. J'aime pas. Ça, c'est bien. Hmm. 4 de dégâts et 1 de vulnérabilité à tous les ennemis.
Fais attention à pas avoir trop de cartes par contre. C'est vrai. Mais là j'en ai 24. Voilà, ça va. Frappe double, c'est bien. Frappe double, j'en ai 50 000. Puis toutes les cartes de votre main. Sauf attaque. Ah mais épuise c'est pas bien. On m'a épuisé c'est pas bien. Quand une carte vous fait perdre de PA, vous gagnez un de force. Ok. Bon après faudrait peut-être que j'arrête de prendre des cartes. Ouais. Oh, c'est bien. Ça c'est bien. Voilà. J'ai pris 50 millions de cartes. Je suis pété. Bon, lui est un FDP. Bonjour, je suis un FDP. Ah putain non, j'ai pas vu que il buff des buff, enfin des buffs. Merde! J'avais pas ma maman. Les impôts viennent de me rendre 300 balles. Ça tombe parfaitement bien. J'ai un trou de 300 balles de ma comptabilité. Eh bien, tu vois, de l'argent. Je te l'avais souhaité, Thanatos. Je t'avais dit pour cette année, plein de pognon. Et les impôts ont écouté. C'est beau, putain. Tu es mon préféré, bien entendu. N'oubliez pas, hein, si votre nom de famille a une particule, vous êtes mon meilleur ami. N'hésitez pas. 52, je meurs. C'est sûr, je meurs là. C'est sûr que je meurs. Sûr, je meurs. Ah oui, y a le truc de debuff, putain. Oh, mais au moins ce sera des. Au moins je pourrais balancer un debuff après. Voilà. C'était calculé en fait. Tout était calculé. On dirait pas comme ça, mais tout était calculé. Est-ce où mes cartes de défense? Bon, en fait, voilà, c'est ça de rajouter plein de cartes attaque. Du coup, t'as que les cartes attaque qui tombent. Donc voilà. Ah, ben voilà, la prochaine fois, je jouerai pas au con, et puis voilà. C'est Daguise. Des bisous. On s'amuse. Le fun. Voilà. Alors vas-y, continue à mal parler de ma maman. Hein. Je t'en prie. Hein. Donc attends, là ça fait 14. Je sais pas compter. Il était pas mort? Je sais plus compter.
Ah mais il va mourir. Mais oui, non mais c'est bon, il va mourir. Ah putain. C'est bon, je sais pas compter, mais j'ai de la moule. Non, vas-y, je veux plus de cartes. Je veux plus de cartes, j'ai trop de cartes. Ouais, ça va, j'ai des problèmes. Ah, la dope. Perdez 3 PV, gagnez 2 de force. Épuisement. Ouf. Ouais, mais en plus, je pouvais... Pourquoi? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Regarde leurs stats. Réduit les dégâts d'attaque subis de 50%. Annulation si dégâts d'attaque infligés à 3 reprises en un tour. Quoi ? Annulation si dégâts d'attaque infligés à 3 reprises en un tour. Ok, donc si tu tapes 3 fois. Y est pas compris? Y est pas compris? Si tu leur as un 3 d'attaque, ils perdent le buff. Et là, il est par terre? Ah bah oui, mais comment tu fais? Il faut que tu me le dises. Non mais le jeu, il me le dit pas aussi. Franchement, je crois que j'ai proposé de faire de la traduction. Hein. Bon, au moins lui je le tue, c'est sûr. Quoi? Ah, c'est 50% de moins, bah oui! C'est bon, ne me le dites pas, vous allez me dire, oui, tu sais, sapin, en fait, si tu écoutais un peu plus, ben, tu verrais que, en fait, ben, tu vois, on te le dit quand même, on te le répète souvent. Quoi? Bah, je peux finir maintenant? Ah oui. Bah, regarde, bah, je vais finir. Bah, je vais le tuer. Pampan. Pan. Ah mais là c'est bon, regarde. Clicep, voilà. Monsieur, il est par terre. Et là, ça fait 10. Et là, il est... Ouf. Waouh. Bravo. Bravo, du coup, je vais vous laisser. On va s'arrêter là car il est tard et je dois aller manger et je dois vous envoyer chez Dovaclin. Ce jeu est ultra méga stylé, c'est-à-dire que j'ai joué 2h53, j'ai pas vu le temps passer. J'y rejouerai, c'est sûr. Ce soir, on joue à Alwa Awakening là, mais demain matin, j'y rejoue. Hein. Demain matin, c'est mort. Et je vais voir et je vais leur proposer de faire de la traduction. Parce que franchement, là, les mecs, je sais pas ce qui se passe, mais la traduction, ils ont un peu... voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Bref.
Du coup, je vais vous envoyer chez Dova, c'est simple. C'est un raid, vous bougez pas et ça vous envoie directement. Merci pour les gens qui ont fait des loots. Je suis impliqué. Ouais, c'est pour leur montrer que moi je parle mieux anglais qu'eux. Enfin, c'est fou en plus. Allez, des bisous. Merci à tous d'avoir été là encore une fois. Je vous dis à ce soir. Et je vais vous dire autre chose. Si vous n'êtes pas abonné ici, abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous. Des bisous et à ce soir.